Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le dimanche 5 mai 2024. Il est 17h et j'ouvre la 18e vidéoconférence de la série des Galactiques 2024 dont le thème est la vie en parallèle sur Terre des proto-humains et humains archaïques et des anciens extraterrestres. Je rappelle à toutes fins utiles que toutes les informations que je communique sont strictement et uniquement de sources extraterrestres, transmises noir sur blanc, à l'écrit et en audio, notamment par mon principal contact extraterrestre, Zen, depuis le début de l'année 2016. Voilà donc 8 ans. La présentation d'aujourd'hui est un extrait d'une conversation que j'ai enregistrée le 13 janvier 2020. Je vais d'abord vous présenter un résumé succinct de l'évolution de la vie selon les recherches sur Terre, puis la version extraterrestre de leurs interactions avec les espèces humanoïdes. Sur Terre, les scientifiques proposent 3 versions de la théorie de l'évolution, mais seulement 2 sont reconnues. Ce sont, premièrement, le darwinisme. Cette théorie suggère que toutes les espèces vivantes sont en perpétuelle transformation et subissent des modifications morphologiques et génétiques au fil du temps et des générations. La sélection naturelle est le mécanisme clé de cette théorie où les individus les mieux adaptés à leur environnement ont plus de chances de survivre et de se reproduire. La deuxième théorie s'appelle la théorie synthétique de l'évolution. Elle est aussi appelée la synthèse néo-darwinienne qui combine les idées de Darwin sur la sélection naturelle avec les connaissances modernes de la génétique. Elle explique l'évolution comme un changement résultant de processus tels que la sélection naturelle, la mutation et la migration et le flux génétique. Et la troisième théorie, non reconnue par les sciences, est le créationnisme, c'est-à-dire la croyance que l'homme et l'univers ont été créés par Dieu. Selon cette vue, issue de récits religieux, comme celui de la Genèse dans la Bible, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais cette théorie ne repose pas sur des preuves empiriques et n'est pas testable selon les méthodes scientifiques. Selon la seconde théorie, c'est-à-dire la théorie synthétique de l'évolution qui est la plus récente, la vie sur Terre a connu un développement long et complexe pour arriver à l'Homo sapiens sapiens que nous sommes. La chronologie s'étale en 7 grandes étapes. Premièrement, la formation de la Terre. Il y a environ 4,6 milliards d'années, la Terre s'est formée à partir de l'accrétion de poussière et de gaz dans le système solaire naissant. Deuxièmement, l'apparition de la vie, probablement à partir de micro-organismes, il y a 3,5 milliards d'années. Ces premiers êtres vivants auraient pu se développer dans des environnements tels que les cheminées hydrothermales des grands fonds marins. Troisièmement, l'oxygénation de l'atmosphère. L'atmosphère terrestre s'est enrichie en oxygène grâce à la photosynthèse des premières algues et bactéries, ce qui a permis le développement de formes de vie plus complexes. Quatrièmement, l'évolution des organismes multicellulaires. Les premiers animaux multicellulaires ont fait ensuite leur apparition, suivie par une diversification rapide des formes de vie. Cinquièmement, l'émergence des vertébrés.
y compris les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, sont arrivés ensuite. Sixièmement, l'apparition des premiers hominidés, il y a environ 6 à 7 millions d'années, qui ont divergé d'un ancêtre commun avec les chimpanzés. Donc il y a eu un proto-humain unique et puis ensuite ça s'est diversifié en chimpanzés d'un côté et en hominidés de l'autre, marquant le début de la lignée humaine qui aboutissent à l'Homo sapiens, les Néandertaliens et les Denisoviens. Et septièmement, l'émergence de l'Homo sapiens, notre propre espèce apparaît ensuite depuis l'Afrique et se répand sur toute la planète en y développant la culture et la société grâce notamment au langage et à la pensée symbolique. Passons maintenant à l'histoire de l'humain moderne selon la version de mes contacts extraterrestres. Les Lyriens extraterrestres fuyaient leurs planètes Lyra et Avalon dans la constellation de la Lyre qui était colonisée par les races reptiliennes. Ces dernières continuèrent à les chasser jusque dans notre système solaire et à leur tour, les races reptiliennes furent chassées par les forces de la Fédération galactique engagées au combat. Ils se sont confrontés d'un côté et d'autre sur Mars dans une guerre intense et les deux camps ont subi de très lourdes pertes. Les Lyriens, notamment ceux de la Fédération galactique, sont arrivés sur Terre. Ils se sont retrouvés face à des races d'humains qui y habitaient déjà. Il y avait plusieurs espèces humanoïdes appelées les Homo capensis, les Néandertaliens, les Denisoviens, mais qui venaient déjà de proto-humains. Entre-temps, les reptiliens qui avaient eux aussi réussi à rejoindre la Terre ont essayé de créer une nouvelle race d'humains en transformant l'ADN.